deuxième bâtiment, bah, derrière ce deuxième bâtiment, en fait, on en cache un troisième puis un quatrième. Voilà, j'ai commencé à tourner. On fera une coupure. C'est un bâtiment, on les a même pas vus. Parce que là, c'est encore un autre bâtiment, donc on va facilement 5. Hein. Bon, du coup, là, on va dire que là, ça va être compliqué d'accès. Parce que c'est bien écroulé, mais là. Moi, je vais couper pour pouvoir rentrer. Ouais. Plein de bruit, c'est dingue. Ouais, bah ça commence bien. Au moment où on commence à vouloir rentrer. C'est comme si on marchait derrière autour de nous. Bah ouais, c'est hallucinant ça. Ça se trouve, c'est même pas la maison de maître qui était présentée, c'est ici. Bah, du coup, on est à la deuxième partie de l'enquête. Là, on est au deuxième bâtiment et encore pire. Il y en a un troisième juste derrière. Par contre, ça m'a l'air d'être un petit hangar. Je sais pas vraiment ce que c'est. On tentera d'y accéder peut-être un petit peu plus tard tout à l'heure. Mais je pense qu'on fera plus une troisième enquête pour cette baraque-là. Enfin, cette baraque, ce hangar, ce genre de hangar. Là, ça va être compliqué vu que j'ai la caméra dans la main. Attendez deux secondes. Ok. Tiens, putain. Oh. Hein? Hein? Ouais, on peut rentrer par là une fois qu'on y sera. Par contre, faudra faire gaffe. Après, faudra repartir par là. Normalement, il y a un truc pour sortir. Attends, déjà moi je sais pas comment je vais me positionner pour te récupérer. Ça risque d'être chaud. Hein. Ouais non attends. Il y a ce truc là qui me gêne en fait. Ah c'est bon. Je suis passé par ici. Donc tu commences à. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est en train de se péter la gueule. Tout est en train de se casser la gueule. Tu crois que c'est risqué de rentrer dans le bâtiment? Ah non c'est bon, ça s'est maintenu. Putain. J'ai eu peur. Bon, c'est sûr, ce sera du rez-de-chaussée, hein. Il n'y aura pas de... Ah bah là, il n'y a pas d'étage. Enfin, il y en a un, mais... Je pense que c'était un ancien hangar. Vas-y, je t'éclaire. C'est pas une question d'éclairage qu'il me faut, là. J'ai quand même tout le matos. Il n'y a rien d'électrique? Non, il y a un d'électrique, sinon je serais déjà mort. Bon, c'est jamais, ça va. Et puis comment tu dis ça, toi? Je passe par où, moi? Où ça se repose à mon pied? Bah écoute, justement, j'ai galéré, donc t'essaies de poser par là. Puis une fois que c'est bon, t'essaies de poser là, dans le trou. Ça devrait le faire. Attends, parce que... Tout est en... Ah ouais, tout y est... Ah ouais, ouais, c'est la galère. Éclaire par là-bas. T'es sûr qu'on peut rentrer? Oui, il y a moyen. On va passer par là, il y a un petit chemin. Vas-y, je te suis. Bah attends, moi je galère. On va prendre la torche de ce qu'on a. Parce que pour moi, passer, ça va être la merde. C'est bon. Attends, parce que moi j'ai des ronces, ils sont en train de me rentrer. Ouais, justement, moi aussi. Non, mais moi ils sont en train de me rentrer la jambe. Putain, il y a des balances et tout aussi. Et puis c'est des vieilles balances, donc c'est pas neuf ici. Ah non, c'est pas neuf. Hein. Par contre, non, mais comme tu le vois, là, je suis... Attends, ça c'était mes doigts. Ah bah désolé, j'y vais doucement, j'ai pas envie de me... Ah. Ouais, ouais, je sais. Partout la ronce, tu vas où tu veux, mais tu vois... L'ancienne balance ici. C'est hallucinant. De toute façon, il y a plein de trucs ici. C'est quoi de ça? Mais comment tu fais pour poser tes pieds? Bah écoute, je suis peut-être moins lourd hein, aussi. C'est peut-être pour ça. Je suis plus en toi, donc c'est la première fois que je suis. Alors, attendez. Je vais faire tomber, tu vas aller. Oula, ça va aller? Ok. Hop. Ok, c'est bon. Là, je suis il y a même des coquillages et tout ici. Il faisait quoi ici, sérieux? Ah putain de ronce de merde! Bah oui. Bon du coup on en était où? On va pouvoir commencer l'enquête, ça y est. Donc, ça c'est mes doigts encore, désolé. Ah putain c'est blindé. Des anciens parapluies, tout ça, il y a tout stocké ici. Putain je me suis posé des questions. Par contre il y a un bruit derrière nous. Ah merde, j'ai eu ta tête. C'est, je m'en fous de ça. Ouais. Putain. C'est glauque. C'était quoi ici? Bon, ça c'était un... Je n'en ai aucune idée. Bon, ça, c'est franchement, c'est flippant. C'est pas un escalier.
Ouais, finalement, je crois qu'on va vraiment faire que cette partie. Parce que regarde. Bon, plus utilisable, je suppose. Oh, finalement, je crois qu'on est bien chaud pour. Ouais, c'est dû. Pas rester prises. Longtemps. C'est des prises européennes. Ici, il faut faire gaffe, il y a des cintres. Je sais pas du tout. Je pensais justement passer par cette porte qui nous ramène de l'autre côté de la baraque, mais apparemment, ça va pas être possible. Putain, il y a des vinyles. Il y a aussi des vinyles ici. Il y en a un là. S'ils sont encore bonnes, perso, je les prends. Ah, mais on n'est pas là pour voler. Hein. Bah, tu me diras, je crois qu'il n'y a plus personne. Oh putain! Ici. Eh, serait-ce pas un signe de l'apocalypse? Non, je rigole. Ouais, on a un délire depuis ce matin avec ça, c'est hallucinant. Des rats, ça m'étonnerait pas qu'on en croise. Ouais, ben ça, ouais. Ça se trouve, c'est ça qui fait bouger tout le truc. Ouais, regarde. Putain, ça va. Bah, c'est un chameau. Je dis ça, ouais, mais bon. Là, il a de ses courants d'air ici, d'un coup. C'est pas vieux. Non, non, c'est récent. C'est récent parce que sinon, il serait déjà décomposé depuis un moment. Bah, repose en paix, toi, l'animal. Bah, c'est je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire ici. Non. Il y a beaucoup de vieux trucs, mais je sais pas ce qu'on pourrait tirer d'ici. Repose en paix, Jack. Parce que... Encore hier, je l'avais revu. Chut. Des bruits de pas. J'ai entendu un bruit de pas. S'il y aurait des gens, de toute façon, on verrait qu'il y a de la lumière dehors. C'est pas dit. Bah, c'est pas dit, marcher là-dessus comme ça. Ça me fait chier voir mon chat mort, quand même. Putain. Bon. Bon, écoute, on va faire un retour en arrière. On va tenter de ressortir d'ici. De toute façon, on pourra pas faire grand-chose ici. On pourra rester entre les deux bâtiments. Vu la gueule des radiateurs, le bâtiment n'est vraiment pas... Ouais, j'y ai pas neuf. Pas du tout neuf. Enfin, ça me fait chier quand même de pas pouvoir tenter d'être de l'autre côté. Attends. Je vais pas écraser l'animal. Oh là, attends. Oh non, c'est glauque. Moi, je touche pas à ça, moi. Oh non, non, non. C'est un quoi, peut-être déclencher un truc. Ouais, vaudrait mieux pas rester là. Je crois qu'on va repartir. J'ai plus gros. C'est pas qu'on a peur. Non, mais de toute façon, je pense qu'il n'y aura rien ici. C'est que des objets. Quoique, on va peut-être tenter un truc. Faudra bien se laver, moi, par contre. Non. Je m'étonne. Faudra peut-être tenter un truc dans pas longtemps. Pas très long. Non. On fait une séance de PVE de 5 minutes ici. Parce que vu qu'il y a des objets anciens ici, je pense qu'après, si quelque chose a pu s'attacher. Gagne, même ça, gros. Même ça, putain, c'est. Pas bon, j'aime pas moi. Enfin bon, je dis, on va tenter une séance de PVE au cas c'est où. C'est des vieux trucs, hein, c'est pas non plus. Ah oui, je sais. Mais les comme je dis. C'est vraiment... J'étais en train de tenter de dire du coup. Vas-y, dis. Bah, c'est pas je vais tenter de faire une. On va tenter plutôt de faire une séance de PVE. Et si justement un esprit peut être accroché à un objet, ça a déjà été vu plusieurs fois. Si un esprit est accroché à un objet, il y a moyen qu'on puisse peut-être avoir quelque chose. Il y a plein de boîtes de cachou. Ouais. Ah déjà moi je vais mettre mon EMF vite fait. Il y a un vieux presse purée là. Je vais pas couper. Attends. Ouais, attends. On est à 47, 48. Non, là. Moi c'est pas le bâtiment qui me fait peur. Enfin, c'est le bâtiment. Non, c'est pas le bâtiment. C'est pas le fait qu'il y ait c'est des les objets qui est ici. C'est pas le fait qu'il. Non, c'est même pas les objets pour moi. C'est même pas le fait non plus qu'il y ait des esprits ou quoi que ce soit, c'est le fait que le bâtiment pourrait se casser la gueule sans dégâts. Bah ouais. Parce que de toute façon, je pense qu'on va pas rester longtemps non plus. Il y a les vinyles qui sont là. Putain. Là aussi. Non, je vais pas les prendre, ça c'est pas. Non. Sans savoir à qui ça porte. Il y a même des anciennes déco de Noël. Je sais pas ce qu'ils foutent de cet endroit, mais. Qu'est-ce que c'était c'est le bâtiment qui bouge aussi, ça m'étonnerait pas. Bah oui, j'ai cru que j'avais entendu un. On dirait qu'il y avait un petit. Non, c'est la porte. En métal. Ouais. Pas de village. On dirait que c'est. Ça a été fait récemment par contre. Ça, ouais. C'est pas vieux. Si c'était vraiment si vieux, je crois que le bâtiment. C'est vieux quand même. Mais... Bah c'est vieux, mais pas de 10 ans non plus, quoi. Bah, sûrement que aussi en fait. C'est moi. Ouais. Bah, putain, bah, on a cassé les trucs, désolé, mais. Bah, disons qu'on n'a pas le choix là. Désolé pour les esprits. Mais... Ah, s'il y en a. Non. Ah, putain, c'est avec la gueule. Comment on va voir les dents. Ah, putain.
Détonation, c'est même pas français. Détonation. Non, c'est le confetti. Donc, oui, oui, je sais. Péter, ça va pas péter. Hein. Oh, d'accord, ça vient d'extérieur avec le vent aussi, il faut pas s'inquiéter. Pétard, ouais, mais j'arrive pas à voir les autres. C'est quoi ça? Bon, ils ont déjà été ici, c'est ça. Décembre 2006, là. Ah, c'est... Bon, attends. C'est un endroit, ils s'en servent comme entrepôt de merde. Oh, on voit pas très bien, mais je crois que c'est, ouais, c'est marqué 2006. C'est... Enfin, 2006. Putain, elle est décédée, tout ça, ouais, bon. Moi, je dirais plutôt je de regarder. Je le prendrai pas, hein. Je vous avoue, je le prendrai pas. Ah, bah, de toute façon, on prend rien ici. Mais là, pour l'urbex, pour. Enfin, l'urbex, enquête paranormale. Je dirais qu'il faut plutôt regarder les machines à écrire, de combien de temps. Aïe. Machine à écrire, c'est super vieux, mec. Ouais, je crois que ça date de 1600, non? Non. Un peu plus. Ça date de la guerre, au moins. C'est glauque. Quand je vois la tronche des... Quand je vois la tronche des machines à écrire, ça date de la guerre. Bah ouais. C'est chiant, en fait, qu'on puisse pas accéder mais à l'autre côté. D'où toutes les briques? J'ai rien dit, oublie ce que je viens de dire. Quoi? Non, j'allais dire d'où viennent toutes les briques, mais... Ouais, c'est pas un escalier, hein. Si, c'en est un. Bah si, ça peut être un escalier. C'est un escalier. Imagine, c'est l'esprit de ton chat. Bah, si c'est lui. Bah, il est mort ici, hein, ça se voit, sinon il serait pas ici. Je sais même pas ce qu'il y a plus le petit qui va te rester dans la vie, quoi. Au revoir. Repose-toi. Eh bah, en fait, on est con. Repose-toi, mon chat. Il y avait moyen, en fait, de rentrer par là. Pff, bah, regarde. Oh, putain, il fait chier. Bah, pas plus mal. Déjà, pour ça, c'est pas plus. Ouais, bon je coupe le NF, ça sert à rien. Oh. J'ai failli me péter la cheville. Ça par contre ça fait bizarre c'est qu'elle se referme toute seule. C'est moi qui l'ai écouté. Ah d'accord. Bon, on tente d'accéder à là. On va rester au milieu. Au milieu. Ici Ouais bah ouais. Là-bas c'est éteint cette chapeau. Les cris par contre je saurais pas te dire ce que ça peut être. C'est peut-être, après c'est peut-être pas lui, c'est aussi parce qu'on les entend aussi. Bah ouais. À mon avis c'est des effets optiques, enfin auditifs, j'en sais rien comment on dit ça. Oui bah c'est une hallucination auditive. Pour nous faire croire que c'est quelque chose alors que c'est une autre chose. Il y a moyen d'accéder là mais avec ça c'est bloquant. Enfin ça bloque. Puis on peut pas accéder par une fenêtre. Hein, pour regarder on dirait. Bah je saurais pas te dire. J'ai dit on dirait. Oui. Ouais. Alors, je vais tenter de le déplacer. Oh, oui, il y a moyen. C'est parce que les herbes, elles font chier aussi. Attention, ton pied. Ça ira comme ça. Tente d'ouvrir. Puis si ça s'ouvre pas, tant pis. Ah, bon, on peut y aller. On sait pas ce qu'on peut trouver là-bas. Ah, ouais, justement. Ouah. Ça m'a l'air d'être encore un entrepôt. On va tenter de rentrer. Ouais. Bah, tenter de rentrer, on peut. Hein. Du bois ici par contre. Hop. Bah oui. Mais c'est pas vieux ça par contre, il l'utilise encore. Bon pendant la nuit je pense qu'il n'y aura personne non plus. Oh, pas trop. Par contre il formait des vieux tonneaux dans la vie. Oui pour rien, il peut pas y avoir comment ici. Non. En fait, c'est bien grand quand même. Hein. Ouais, c'est bien. Oh, ça tourne. C'est sympa. Ouais. C'est vrai qu'il y a encore un animal mort ici. Putain, c'est. Ah, un vélo, tiens. Ouais, non, ouais, dégonflé. Bah, même leur gain. D'accord, allez. Par contre, ils ont encore leur couleur. C'est ça qui me paraît bizarre. Ouais, enfin, tu me diras, c'est plus récent quand même. Aïe. Putain, c'est. Mais on dirait, ouais, il y a quand même des vieilles machines. Ouais, enfin, ils stockent en fait. Ils stockent tout ce qui est ancien. Oh putain, c'est glauque ça. Pour les bébés. C'est glauque. Ouais, enfin, tant qu'il n'y a pas de poupon, on va dire. Ouais, je m'étonne. Les vieux trucs, ça c'est pour les vieux tonneaux. En fait, je crois qu'on est plus en train de faire de l'urbex qu'une enquête. C'est de l'urbex par ici. Non, ouais, là c'est plus un urbex qu'une enquête. Il n'y a pas moyen de faire une enquête ici. Hein. Bah, même dans l'autre pièce, enfin, dans l'autre côté. C'est plus la baraque en fait qui est intrigante. Bah la maison en fait c'est que des. Non, c'est que des. Karcher. T'as du Karcher et tout. Ah ouais, il y a tout. Karcher, mais c'est... Il y a même les cages, il y a des... une cage Pringles. Cage Pringles. Ah non, regarde, c'est là. Ah ouais. Pringles. Non, je l'ai vu. J'ai envie de faire caca. C'est pas le genre de truc qu'on va dire maintenant. Ouais, bah écoute, libérer des livres. Rien à la taille. Wouah. Ça, si c'est pas une bouteille.
Elle fait au moins 90 cm, pas un mètre non plus, mais ok. Ouais, ça va peut-être un bon. Attends, parce que est-ce qu'il y a quelque chose dedans, parce que... Non, y'a rien. La tête de combien? Bon, France. Bon, déjà, ça, c'est... Ouais, on sait qu'elle vient de France, mais bon, y a pas de date. Du Louis Porto, c'est du quoi? Du Porto. Non. Ah merde. Louis Borloo. Non, je rigole. Oh putain, par contre, l'étoile, elles sont récentes. Du quoi? L'étoile d'araignée, elles sont récentes. T'étonnes pas, avec moi. Voilà, c'est fait. Je peux y aller. Putain, c'est un magasin de vie, quoi. À fond. Putain, c'est une bouteille. Où ça? Oh ouais, pas mal. Ah, c'est pas une bouteille, ça. Des trucs pour Martine, il y a rien de ça. À fond. Non, ça, par contre, faut pas les prendre. Parce que s'ils sont encore emballés, c'est qu'ils l'utilisent encore. Qu'ils l'utilisaient? Eh. Quoi? Il y avait une lumière, là. C'est pas possible, c'est fermé, c'est clos. Attends, éteins ta lampe torche 2 secondes. On voit pas le lien. J'ai vu une lampe torche. Il y avait une lampe torche qui éclairait de ce côté-là. Ouais, mais rallume, j'ai pas. Mais c'était chelou. Tant pis. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un. Ouais, bah, si quelqu'un tombe sur moi, on sortira. Ouais, bah on sera chopé. Ouais, bah tant pis. Tant pis, ouais. Bah, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à voir de plus. Nous, sur le... Ouais. Des barils, non. Pourquoi pas, après tout. Bah, je tente, mais bon. Ça, c'est pour la pêche. Ouais, c'est peut-être, je sais pas. Ça, c'est pour... Si, si, mon beau-père, il y avait un chose. Ah. Si, si, pour la pêche. Si, si, c'est pour la pêche. Bah... C'est urgent, c'est pour ça que je l'ai dit. Non, on peut pas faire ça dans un... Tu m'étonnes. Surtout que ça peut être potentiellement hanté, on sait jamais. Ouais, putain. Là par contre, je dirais, mais ils ont carrément stocké le bout d'une baraque. C'est même pas hanté, j'ai l'impression. Non, c'est pas hanté ici. Ah, j'ai pas l'impression. Après... Si ça aurait été hanté, on aurait eu plus de bruit ici. Ouais. Que là, on était dehors, il y en avait déjà quand on est arrivé. On parlait combien qu'il devait y avoir des rats là-dedans? J'irais même pas tenter de savoir. Non, non, non. Oh bah écoute, c'est mort. Ce qu'il faut, c'est une bagnole, pas des pneus. C'est quoi de ça? Ah, c'est un radiateur. Des vieux radiateurs. Très ancien, quoi. Des vieux radiateurs. Oh, c'est pas si ancien que ça. Ouais. T'es toujours en enregistrement pour le PVE? Bah non. Ah, ça, c'était mon doigt, désolé. Bah non. Non, bah écoute, je propose qu'on sorte de là. Je vais expliquer tout ce qu'on a fait, puis... Ouais. Je pense que ça sert à rien de rester plus longtemps. Je propose qu'on retourne quand même à la baraque. Bah, ouais. Ça sert à rien, on l'a déjà fait. Bah, on l'a déjà fait, mais les PVE, on pourrait en refaire au moins une petite séance. Oh, ça sert à rien, bien. Ça sert à rien. Ah, moi, je te dis que c'est pour faire une séance. On l'a déjà fait, ta séance. Bah non, la séance de PVE. La séance de PVE, elle n'a pas été enregistrée, je te rappelle. Je me rappelle où est-ce que c'est l'entrée. Ah, je me suis bien blessé par contre. Sérieux? Ah bah moi aussi, mes jambes elles ont subi aussi quand même. Ah tu vois, ça aurait été bien c'est d'accéder à cette partie là de la baraque. Parce que c'est l'entrepreneur. Hein? C'est ce que tu dis, ouais. Je sais pas ce que ça peut être ça. Ça doit encore être un nouveau genre d'entrepôt. On va pas tenter. Non, parce que là, faut pas y entrer, il y a pas du bruit. Ouais, puis ça va faire du bruit. Ouais, non, regarde, il y a un kendo. Ça sert à rien, il y a un kendo. Oh, quoique. Non. Non, c'est un kendo. C'est pas la peine. Il y a que des briques, attends. Ouais, ça sert à rien. Il y a que des briques, hein. Bah non, il y a pas que des briques, mais bon. Ouais, mais... Ça sert à rien de tenter. Ah, oui. C'est bien parce que je peux pas les briques. Ouais. Je suis en train d'y réfléchir, mais ouais, t'as raison. Pas donné... Ah oui, pas les vrais. J'ai remarqué. Bah bon, le père machin. Il y en a qui connaissent ça. Oh, encore un chat. Il est venu récupérer son compagnon. Ça, je le connais, ce chat-là. Bah faire, ouais. Ah purée, puis je peux pas dire non. Non, mais je sais là où elle habite, ta grand-mère. Là. Ouais. Ouais, mais je sais. Non, mais on l'avait encore croisé la dernière fois, j'ai même pas fait dit... Ouais. Ah, le collège là-bas? Oui, je crois. D'ailleurs, pourquoi c'est... Ah putain, pourquoi c'est allumé?
Bah, on va prendre un autre peut-être. À chaque fois, je me fais avoir. Tu sais, mes choses, à la fin, ce sera plus de choses. On verra que mes chaussettes. C'est peut-être en attendant. Ouais, si, parce que je sais qu'ils hébergent quand même des gens. Ouais, bah ouais. Avant de reprendre. Au pire, pour faire la séance de PVE. Ouais. Pour rester au chauffeur, on va faire une montée. C'est quand le chaud. Ouais, si, on va faire la séance de PVE et après on s'en ira. Mais au rez-de-chaussée, parce que j'ai franchement pas le courage de m'en aller. Ah bah on va rester au rez-de-chaussée alors. C'est juste que j'ai pas envie, c'est pas que j'ai peur. On va rester à l'arrêt de José. Non, je rigole. Alors pour l'entrée, ça va être simple. On va voir ce qu'on a fait la dernière fois. Parce que la dernière fois, on n'a pas grimpé. Aïe. On n'a pas grimpé, mais là, il n'y aura pas besoin. Ah, oh merde. J'ai rien dit. Il va quand même falloir traverser les ronces. C'est une blague. Bah, il n'y avait pas une entrée, un truc oui, d'ouvert. Pas par là, mais... Bah merde. À moins que tu sois chaud pour grimper par là. Bah ouais, moi je peux, hein. Je m'en fiche. Ah, bah ouais, bah c'est là. C'est là que j'ai vu qu'il y avait une entrée, bah ouais. Ça a changé, je crois. Bah écoute, je vais poser la carte. Je suis même pas sûr que ce soit ici. Parce que regarde la gueule des murs. Si, si, c'est là. Ouais, je sais que c'est le bon bâtiment, mais... Bah écoute, moi, je vais grimper comme ça. Je vais poser la caméra comme ça, puis... Vas-y, grimpe. Je vais grimper ici. Attends, éclaire-moi un petit peu quand même le bord. Sur les côtés. Et sur les côtés. Ouais. Bah non, bah d'abord. Bah si. Ah. Ok. On est bon pour ici. Je cherche pas de la caméra, je sais pas. Ouais, il y a déjà des bruits chelous. Ouais, m'éclaire pas surtout. Pardon. Mec, il m'éclaire, merde, c'est bas les couilles, tu sais. Oh, putain, j'ai un mauvais équilibre. Ok. Bon, du coup, rebonjour. Rebonsoir. Rebonsoir, pardon, oui. On va repasser par là. Ah ouais, bah je me disais bien qu'il y avait quelque chose, mais non, c'est pas rentré, ça. C'était bouché. Je le voyais pas. On repasse par là. Bon. Là. Ah d'accord, c'est parce qu'il se casse la gueule, j'avais pas compris. Je m'accrochais dessus puis je me cassais la gueule. C'est encore en train de continuer. Ouais, ça continue encore à se péter la gueule, ça y était pas quand même à ce point-là. Attends, on était sûr qu'on est au bon endroit là. Ah oui, certain. Quoique. On est pas au bon endroit là. Bon, tu me diras, il y en a sorti. Bah si, on est au bon endroit. Si la cave elle est là à droite, on y est. On est au bon... Bah si la cave, non, même c'est ça. Pas par là, non. Bah si, le cave elle est là. Si, si, c'est la cave. On y est, on est au bon endroit. Sauf que ça s'est encore plus écroulé que la dernière fois. Et même ici, gros, ça s'est encore écroulé plus. On a eu raison de pas rester longtemps la dernière fois. On va faire vite le truc parce qu'on va tous prendre la touche. Même ici, gros. Il y avait encore un truc qui pendait. Bah maintenant, plus. Ça m'a dit, c'est quand on a marché tout ça. Ouais, c'est possible, parce qu'il reste encore moins de trucs que d'habitude. On fait le tour pour ressortir, on ressort pas par là. Je te préviens. Ah ouais, non, ouais. Enfin, quoi que. Bon, on aura peut-être pas trop le choix aussi. Ouais. Bon, bah écoute, moi, je vais me placer. Wow, regarde ça. Comment c'est tombé? Ah non, ça tombe encore plus que d'habitude. Même ça, regarde, ça risque de nous tomber à la gueule. Faudra pas y retourner dans les prochains jours, ça c'est mort. Ouais, bah moi, je vais pas rester à côté de la poutre. Là, ouais, là, bah justement, viens, on va retourner plus par là. Pour faire la séance de PVE, moi je serais bien monté au deuxième étage, mais bon, tant pis. Non, si tu veux que ça passe, c'était finalement pas une bonne idée. On va plutôt se mettre ici, on va poser le téléphone là. On va poser le téléphone ici et. Et puis on commence. Il est 21h11. Ok, donc il nous reste à peu près une trentaine de minutes à tout casser. Faut que je prenne une photo. Oui, là on va bientôt commencer les photos aussi, sinon ça va être... Faut que je sorte l'appareil, c'est pour ça que je te... Ouais, je sais. Merci. Putain, comment elle m'a enroulé ça. C'est cool qu'il n'y ait pas plus de maisons comme ça dans... Enfin ici. Oui, c'est parce qu'il faut les chercher, il faut les trouver. Il y en a, hein, j'en connais, hein, des baraques comme ça, abandonnées, qu'on peut avoir accès en demandant autorisation, tout ça. Mais pour y accéder, justement, c'est ça le bordel. Il y a déjà des bruits. Bon. Je te propose de faire le tour avec moi. On va laisser le téléphone ici. Bonjour aux esprits, d'abord.
Donc, ouais. On vous avait dit qu'on allait revenir. Chose promise, chose due. On revient toujours pas pour vous embêter. Hein. Reste ici, par contre, s'il te plaît. Pourquoi ? Je reste pas tout seul dans le noir. Bah ouais, bah j'ai pris la lampe torche, tu veux. On a reposé le téléphone ici. Si vous voulez nous dire quelque chose, nous, on va vous laisser. On va revenir plus tard. Le temps de prendre des photos pour nous, notre enquête. Et si vous avez quelque chose à dire, dites-le nous, n'hésitez pas. C'est sur le téléphone, le seul truc qui sera éliminé par ici. Donne-moi la torche, s'il te plaît. Voilà. Elle est belle. Ah, ouais. Attends. Merde, c'est flou. Ouais. Putain, il va falloir que tu mettes, continue de dire. Elle est magnifique. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bref, ouais. Voilà. Donc, bah, si vous avez quelque chose à dire, nous, on vous laisse. On revient. Voilà. Parce que, en fait, la dernière fois, on avait des petits problèmes avec, avec l'enregistrement. Audio. Ouais, si vous voulez, en fait, on a eu un petit problème avec le téléphone qui nous sert justement pour les PVE. On a eu un appel. On voulait pas mettre en... Attention, je vais prévenir pour les photos. Ouais. Je disais du coup, j'ai expédité, on a eu un appel et on a eu... Je vais filmer ici. Le fichier, je prends une photo ici. Le fichier était corrompu. Donc photo numéro 1, maintenant. Ouais. Ouais. Et ici c'est particulièrement beau. Je peux quand même essayer par juste en prenant justement à l'angle de le... Ah bah je sais pas où, ça a été tagué ici, non, c'est moi aussi. Non, non, c'est pas tagué. Donc, photo numéro 2, maintenant. C'est bizarre. Je vois pas grand chose. Non, mais ça fait encore un fond noir comme on avait eu d'habitude. Bah, le flash, pourtant, il va jusqu'au bout. Ouais, bah ça, c'est pas grave. Ça fait bizarre. On peut marcher dessus. Ouais, bah je sais le dernier. Je suis putain. Ça fait deux fois que tu te... Bah ouais, bah à chaque fois, ouais. Je me le prends. C'est chiant ce truc là. J'avais déjà pris une photo d'ici, c'est ça. Ouais, bah non, ouais. Non, faut essayer de faire tout le tour vite fait. Par contre, là, fais gaffe. Par contre, oui, là, c'est sûr, on peut plus. Là, ouais, on peut plus monter. On peut plus se permettre de monter. Ouais, la dernière fois, on est monté. Je pense qu'on a justement fait. On a bien fait de partir vite. Ouais. Bah non, c'est pas ça, c'est juste qu'on a bien fait. Enfin, on a mal fait plutôt, c'était de monter. Parce que. Ça a plus abîmé le bâtiment qu'autre chose. Ouais, voilà, ça a plus abîmé le bâtiment. Mais de toute manière, ça aurait pas été nous. Fermé le jeudi, horaire d'ouverture. Ouais, ça dit rien du tout sur la baraque. Bon, attention, je prends une photo. Ouais. Je prends une photo ici. Photo numéro combien, 3 ? Numéro 3. Maintenant. Ouais. Il y a des bruits chelous à partir de là quand même. Après, tu me diras, il n'y a plus de toit, donc je pense que c'est logique. Ah, mais c'est vrai, moi je vais. Attends, on va changer de côté. On va échanger. Il y a des loups là qui tombent. Ouais, je sais, c'est pour ça que je dis rien. Je l'ai dit justement, il y a un toit. Enfin, il n'y a plus de toit, pardon. Si, mais. Oh, écoute, moi, il n'y a plus de toit. C'était quoi ? Un oiseau, attends, une souris ou un truc comme ça. Oh putain, j'ai flippé ma race. Attends, c'est quoi ça là ? Ça, c'est... Ouais, attends. T'as pas contre le bois, comment il se casse la gueule. Non, je te rassure, c'est un animal, ça t'inquiète pas. Oui, bah oui, je sais. Je vais prendre une photo maintenant. Attendez, il faut que je rallume. Aïe. Donc je prends une photo. Numéro 4. Maintenant. Je crois que t'as bien fait de prendre. Ouais. Putain. Mais il y a trop de branches en fait devant toi, tu devrais peut-être éviter de prendre là. Bah, je veux bien. Parce que là, bah c'est pour ça que t'avais encore la lampe torche. Bah, je ne peux pas moi regarder. Il faudra plus revenir. Plus non là franchement c'est vraiment la dernière fois qu'on vient. Je reprends une photo aussi. C'est vrai que ça s'écroule d'un côté pendant qu'on est l'autre. J'en prends souvent comme ça au moins. Ouais vas-y. Je prends une photo ici. Photo numéro 5. 5. Maintenant. Voilà. Hey. Perso moi je vois rien. J'avais vu un truc chelou comme ça, mais je crois que c'est les chaises. Je suis ouais, pas sûr. À mon avis, c'est les chaises. Ah oh, ça faisait un truc chelou.
Bon, vraiment, franchement, je le dis à la caméra. C'est la dernière fois qu'on vient dans cet endroit. C'est sûrement la dernière fois, en tout cas, ça c'est... C'est sûr, à 100%, de toute façon, parce que l'endroit est en train de se casser la gueule, littéralement. C'est pas une blague. Je propose qu'on fasse un dernier tour aux autres pièces qu'il y a au rez-de-chaussée, avant de revenir ici et reprendre le téléphone. Oui. Et puis après, on partira, ça sert à rien de rester plus longtemps. Parce que de toute façon, on ne peut pas monter au prochain étage. Tu l'as déjà dit, Ouais, je sais. Tu te répètes souvent. Bah, je me répète souvent, mais bon. Tu auras un autre grand-père. Je suis pas un grand-père. Eh ben, comportement tant que tu. Par contre, ici, je crois que je vais faire gaffe quand attention même. Attention à toi, je vais prendre une photo. Ok, attends. Donc, photo numéro 6. Maintenant. Que c'est une belle ordre, mais je suis pas sûr. Ouais, donc je crois qu'ici, c'est... en fait, c'est les endroits où il y a le plus d'écroulement qui doit y avoir quelque chose. Ouais, ici, ça sert à rien. Ouais, je sais bien, là, ça ramène là où on était au premier truc. Ouais, parce que c'est éclair là-bas. Ouais. Ok, bon, bah. Oh, putain. Moi, personnellement, je prends une dernière photo, c'est à l'entrée. Oh putain, et je vais cogner ça, tu sais, ça va s'écrouler direct. Non mais je vais pas cogner dessus. J'en prends une ici. Ouais vas-y. On avance dedans vite fait. Moi je vais pas en dessous, ça sert à rien. Bah quoi que. Ça s'écroule, mais attends, c'est déjà en train de. Moi je commence à flipper étant vu que c'est déjà en train de. Ouais, c'est de pire en pire. Oh purée, c'est. Ah ouais, c'est chiant ça. Photo numéro 7. Ouais. Maintenant. Une toute petite orbe. Possible, ouais. On fait qu'on y va vite fait ou pas. Ouais, on va essayer comme ça se prend. Ça risque pas de s'écrouler d'un coup comme ça, là, on n'entend plus rien. Éclaire-moi bien parce que je suis dans. Ouais, je veux bien, je suis derrière. Ah oui, bah t'es vraiment. T'amènes ici, non. Y'a pas un truc de changer. Non. Ou alors c'est vraiment parce qu'il y a des gens qui viennent squatter aussi, hein, c'est possible. Qui viennent foutre le bordel. Ça, ça frite bien. Ouais, ça s'effrite vachement. Hein. Je prends une photo tout de suite là en haut, enfin ici. Vas-y. Donc photo numéro 8. Maintenant. Il l'a pris direct. Ouais. Ah, ça fait toujours sombre. Une belle lampe, j'ai l'impression. Puis ça fait toujours sombre sur le fond. Est-ce que vous essayez de nous amener quelque part ou de nous empêcher tout simplement de vous prendre en photo? Bah, je pense pas sinon. Si vous avez peur, si vous voulez pas, ne vous inquiétez pas, les photos ne vous feront aucun mal. Parce que j'avais comme une impression qu'on était déjà bon, déjà venu ici, oui, que c'était que c'est encore plus écroulé que d'habitude. Photo numéro 9. C'est parti. Après l'allumage, bien sûr. Voilà, photo numéro 9. Appuyez. C'est bon. Photo numéro 9, maintenant. Il galère. Le foyer est mort. Wow. C'est sombre tout au fond. Bah et pourtant j'avais une lampe torche dessus, quoi, c'est ça quoi. C'est cool le bordel. Bon, sur la photo, vous venez de la voir, c'est quand même assez sombre. Ouais. C'est chelou. Pourtant, nous, on est bien éclairé. Ah, on est quand même assez bien éclairé, faut pas dire. Et le flash de l'appareil photo, franchement. Puissant, non, il est quand même assez puissant. Il pique les yeux quand on se prend en photo. Ah oui, franchement, oui. Éclaire-moi, s'il te plaît. Bon, bah, du coup. On va partir dans la chaufferie. Ouais, on fait la chaufferie, puis après, on remontera. On viendra chercher la. Le téléphone. Le téléphone pour le téléphone, puis... Ouais. Je te suis. Ok, ouais. On va pas avoir parlé de voûter ici. Hein. On va en faire deux, je crois, de photos. Bah, une ici, puis une là-bas. Une de ce côté-là. Ouais, même une troisième. Ouais, parce que, ouais, il y aura ça à prendre, et l'autre côté, ouais. Bon, attendez, je vais essayer de prendre un plan... Ouais, par contre, là, vous voyez, ma lampe torche, elle éclaire quand même assez bien, malgré qu'on ait... que j'ai ma lampe torche et que la merde, donc faut pas... Photo dire. Numéro 10, c'est ça? Ouais, photo numéro 10. Il vient de s'éteindre. Oh, putain. Voilà, maintenant. L'appareil photo, il galère quand même quelquefois. Il y a deux orbes. Deux orbes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici. Je crois voir deux orbes. Je vais ouais, donc après, on verra bien. Je crois les voir. On verra au montage. Je te dis là. Ici. Je te dis ici, ouais. Alors, attends. Photo numéro 11.
Maintenant. Ok. Perso, non, c'est pas la même image. Il y a des trucs qui apparaissent, mais qui sont pas. Qui sont pas devant l'image quand, ouais. Quand je filme. Bah, des fois, ça peut arriver, ouais. Après, ça peut être à cause des bouteilles, les reflets. De toute façon, on regardera quand on sera rentré. Pas dit parce que moi, je les vois pas les reflets. Je vois les reflets que sur le mur. Ouais, c'est vachement petit ici. Ouais, c'est une petite entrée, mais une grande pièce. Je te dis qu'on prend comme ça directement et après ouais, on va y aller. Attends. Non, je vais plutôt essayer de prendre de l'autre côté. Donc de ce coin-là. Ouais, ou de là. Ce coin là-bas. Ok. Pour plus avoir. Ouais, un grand angle. C'est ça. Ok. Prendre le chauffe-eau, ouais, surtout. Photo numéro 11. 12. 12. Pardon. Maintenant. Je crois avoir des arbres aussi. Ouais, bah, je pense que finalement, le fait que la baraque elle s'écroule, je crois qu'il commence à... À se réveiller. Ça commence à les réveiller peu à peu. Mais franchement, c'est la dernière fois qu'on vient. Si vous avez un message, remontez. Il y a un téléphone, un truc lumineux, une tablette lumineuse, et c'est là qu'il faut s'exprimer. Voilà. Donc allez-y, remontez, n'hésitez pas. Remontez au rez-de-chaussée. Dites ce que vous voulez. Remontez au rez-de-chaussée et essayez de communiquer avec l'appareil lumineux. Si vous voulez lui crier dessus, si vous voulez l'insulter, si vous... Tout ce que vous voulez. Évitez de le casser, par contre. Ouais, le casser, par contre, on n'acceptera pas. Bah, tu n'auras pas plus à regarder. Non, il n'y a rien de plus. Ouais, bah allez, on va remonter. Je suis... Au pire, ça te mange pas, je te prends la torche. Bah, vas-y. J'ai la mienne, de toute façon. Ouais, go. Parce que moi, j'aime pas être... J'ai peur. Je vous avoue, hein, j'ai peur du noir. On est un petit peu noirophobe. Non, je sais plus comment. C'est un petit peu raciste ce que tu viens de dire. Non, justement, c'est pas ce que je voulais dire, mais... On a peur des endroits sombres. C'est peut-être un truc de gamin pour vous. Ouais, enfin... Mais des fois, on a nos raisons. Hein. Bah, je dirais que pour l'enquête, j'aurais pas trop peur, parce qu'après, si vraiment c'est pour avoir des résultats nets, ça serait pas mal. Bon, alors, on vient récupérer la tablette. On va aller vous laisser quelques petits temps. Que c'est vrai. Oui. On va vous laisser jusqu'à 15 minutes. C'est ce que j'allais dire, 15 minutes. Et ensuite on s'en va. Voilà. Ah, j'ai plus de cigarettes moi en fait. Ouais, bah c'est pour ça, on va pas tarder. Il est quelle heure là? 20h24, ça devrait le faire. J'ai déjà fumé mes deux cigarettes. Bon, je prends des photos en jour ou pas? Non, je pense que c'est bon. Non, niveau photo, je crois que c'est ok. On vous laisse jusqu'à. Il y a marqué 12 là. Et on vous laisse jusque 15. Après, on s'en va. Je suppose qu'ils savent compter. Mais bon. Oui, bah, après, on ne sait jamais. C'est peut-être des enfants. C'est peut-être. Justement, oui. Bon, on sait pas. C'est pas pour vous insulter, mais bon. Parlez, allez-y. Il vous reste 2 minutes. On vous laisse 2 minutes de silence. Bon, vous allez m'entendre quand même ranger mon matériel. Oui. Ouais. Et aussi, s'il y en a qui sont dans cette pièce-ci. Oui, n'hésitez pas à aller à côté. Hein. Et vous pouvez aussi, si vous n'avez pas cette force pour parler sur le téléphone directement, enfin sur cette tablette, parlez-moi à l'oreille directement. Ça me permettra de dire au téléphone après, donc une fois que je serai sorti de la maison, ce que vous avez dit. Enfin, si vous le souhaitez, bien sûr. Je suis doté d'un don. Je vous l'ai peut-être déjà dit. C'est moi. C'est moi, t'inquiète. Je vous l'ai peut-être déjà dit, donc n'hésitez pas. Par contre, les visions, je n'accepterai pas. Bah, quoique... Non, les visions, je préfère éviter. Ouais, parce qu'il y en a qui sont quand même assez hardcore. Bah, après, c'est mon ego hein, qui en prend un coup. Sérieux? Bah, après, c'est mon esprit qui en prend un coup. C'est ma santé mentale qui en prend un coup. Ah oui. De toute façon, une fois qu'on sortira d'ici, ta santé mentale remontera. C'est pas une question de ça, c'est que si j'ai des visions, ma santé mentale peut rester affectée à la vie. Ah oui. Des... Ouais, d'accord, je comprends le truc. Ça peut me rendre un petit peu fou, quoi. Donc pour l'instant, vous n'avez pas l'air de vouloir me dire quelque chose. Ce n'est pas grave, je vais pas vous blâmer.
Après, c'est s'il y a réellement quelqu'un ici. Oui, après oui. Bon, bah écoutez, ça fait 15 minutes que l'enregistrement a été lancé. Donc là, je reprends mes fonds, désolé pour les auditeurs. Hop, voilà. Donc là, je vais couper dans 5, 4, 3, 2, 1. Bon, bah très bien, je vous remercie si vous avez, si vous avez laissé un message sur, sur la boîte lumineuse, on va dire, la tablette si vous voulez. On vous remercie d'avoir laissé un message. Bien, malheureusement, c'est la dernière fois qu'on venait. Enfin, du moins peut-être une des dernières fois, peut-être encore une seule fois. Mais oui, il y aura peut-être encore une seule fois, mais je pense que la baraque elle sera encore plus en mauvais état, donc on ne pourra pas monter comme on veut, ni descendre comme on veut. De toute façon, on ne voudrait pas vous déranger, hein. Ça fera déjà deux fois, ça va déjà peut-être vous embêter. En plus, en moins d'une semaine, ça fait deux fois, quoi. Faut dire que ça fait beaucoup déjà. Pour vous, du moins. Donc voilà, bah, j'espère que vous avez laissé un message, comme je dis. Et bah, on reviendra peut-être. C'est peut-être, donc si on revient pas, ne vous étonnez pas. Par contre, je vous demanderai de ne pas nous suivre quand on sortira. Non. Et en tout cas, ben, je vous remercie. Voilà. Maintenant, fais ton speech pour les personnes. Oui, ben, comme d'habitude. Oui, vas-y. Sur ce, ben, pour ceux qui regardent la vidéo, si vous avez remarqué quelque chose à la caméra que nous n'avons pas remarqué, justement, mettez-le en commentaire. Et ben, c'est tout ce que je peux vous dire sur ça. Oui. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous plaît. Vraiment, ça nous soutiendrait. Ouais, ça nous soutiendrait beaucoup. Ça nous redonnerait un petit peu... De courage, parce qu'on vous avoue que... On vous avoue, ouais, On a besoin quand même de courage. Hein. Enfin, on a besoin de soutien, quoi. Oui, parce que même moi, y aller seul, j'y reste 5 minutes, pas 10. Mais à deux, c'est vrai que c'est plus simple. Mais laissez-nous un gros pouce bleu si vous aimez nos vidéos paranormales. Et aussi nos vidéos urbex, parce que là, on a fait de l'urbex et du paranormal en même temps. Oui, donc ça a été en fait en deux fois, mais vous aurez tout d'un coup, à mon avis. Oui, oui, vous aurez tout d'un coup. Donc voilà. Donc voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne NJT Paranormal. Faites péter la barre des likes. Ouais, faites péter la barre des likes, comme il dit. N'hésitez pas aussi à activer la clochette. Je sais qu'on se répète beaucoup sur les fins de vidéo, mais n'hésitez pas à activer la clochette. Pour recevoir nos notifications en temps réel. Pour ne rien rater. Pour ne rien rater, voilà. Et sur ce, on va vous laisser maintenant. Salut. Allez, salut à tous.